Ben oui, Jean Frison, je suis du CRU ici, agriculteur au village d'à côté, à 2 km d'ici. Enfin, ce sont les deux fils qui travaillent sur la ferme actuellement. Et disons que toute ma vie, je me suis battu pour la défense de la terre agricole. Et pour une agriculture qu'on appelle aujourd'hui agriculture paysanne, bio en partie, mais paysanne avec des conditions de production très strictes d'autre part. C'est-à-dire essentiellement une agriculture qui est indépendante de l'industrie agroalimentaire. Disons qu'on s'est battu à quelques agriculteurs depuis 40 ans. C'est nous notamment, il y a quelques-uns, qui avons créé Agrisain et Coprosain. Circuit court, chez nous ça se passe comme ça depuis 40 ans. Donc circuit court où les consommateurs soutiennent une façon de faire. C'est indispensable pour, si on veut sauver l'agriculture, que les consommateurs travaillent avec nous dans ce sens, sinon nous les paysans seuls, on n'y arrivera pas. Voilà, donc une agriculture qui est indépendante de l'industrie agroalimentaire, la ferme que nous défendons, c'est une ferme où on fait à la fois la culture et l'élevage. Chez nous, il n'est pas question qu'on nourrisse des animaux avec, entre autres, du soya américain ou disons des tourteaux fabriqués dans les usines d'aliments, avec tous les problèmes et tous les dérives que nous sommes en train de connaître depuis quelques semaines et quelques mois, mais ce n'est pas nouveau. Donc, chez nous, l'agriculture paysanne que nous défendons, nous nourrissons nos animaux avec ce que nous produisons sur notre terre, d'une part, et d'autre part, ces produits-là, qui sont produits donc sous base de cahiers des charges précis, nous voulons les commercialiser, les garder nous-mêmes en main et les commercialiser en circuit court via notre coopérative ou via toute une série disons, de circuits courts type groupement d'achat et d'autres formules de ce genre-là. Donc, et c'est de cette façon-là qu'on peut maîtriser cette agriculture, tant en amont qu'en aval. Et alors, l'action qui est en train de se faire ici, c'est terriblement important pour nous, la défense de la terre. Puisque, contrairement à ce qu'on croit, on dit certains politiciens, certaines instances, on dit il y a trop d'alimentation, on produit trop. Et disons, d'une certaine façon, c'est vrai si on voit le problème d'un certain angle. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, on nous a montré, notamment à la TV, des tonnes, disons, de pommes de terre qui sont en train de pourrir dans les hangars parce qu'on a produit beaucoup trop. Ça c'est l'industrialisation de l'agriculture qui se fait dans n'importe quel sens. Quand on voit qu'il y a du fric à gagner avec les patates, tout le monde se jette vers la production de patates. Donc il faut réorganiser ça tout à fait autrement. Et alors, le type d'agriculture que nous défendons, la petite ferme, souvent on a trop peu disons, de terre pour notamment produire nos céréales, pour nourrir nos animaux. Et disons que c'est donc l'action qui se mène ici contre l'utilisation de la terre pour des routes au profit de certaines grosses entreprises, l'extension du zoning ici qui s'est faite à certains moments, on se demande trop en fonction de quoi et pour qui. Nous remettons ça en question en disant c'est trop important aujourd'hui de ne pas garder la terre, c'est scandaleux de gaspiller la terre. Heureusement, ce type de circuit court a le vent en poupe depuis quelques années, un an ou deux, c'est relativement récent. Et que il y a un certain nombre de gens qui nous connaissent, mais c'est quand même relativement limité. Même si, par exemple, notre coopérative, on est tous les jours sur Bruxelles, le marché à un ou deux endroits, donc on a une quinzaine de marchés. On a un magasin à Braine-l'Alleud, on a un magasin
magasin nouveau qui vient de s'ouvrir avec un succès très important à Tournai notamment. On a un magasin à Hattes bien sûr. Mais enfin, disons que c'est relativement limité, mais c'est le principe, et notamment chez nous, le principe que nous avons défendu depuis le début, c'est la maîtrise de notre production, mais la maîtrise de la valorisation de nos produits, où dès le début, nous avons fait appel au groupe de consommateurs. Je me souviens que lorsqu'on a créé la coopérative, et ça n'a pas été fait d'un coup de baguette magique, mais on y a réfléchi beaucoup, longtemps, on a lancé dans la presse l'idée qu'on était un groupe de producteurs, on produisait d'une certaine façon, et on faisait appel à des groupes de consommateurs. Et je me souviens à ce moment-là, notamment des groupes de la région de Charleroi, dans le cadre entre autres de vie féminine, enfin peu importe, qui ont pris contact avec nous et qui ont travaillé avec nous pendant des dizaines d'années. Pour nous, l'idée n'est pas nouvelle, mais c'est terriblement important que ça se développe aujourd'hui. Quoi. L'agriculture moderne que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'agriculture industrielle essentiellement, soit production de céréales, froment, betteraves, patates, soit des élevages industriels hors sol, hein, parce que tous ces élevages-là, on a tout à fait séparé la production sur la terre et les élevages, hein, qui n'ont plus rien à voir, ce sont des structures différentes. Les élevages, ils sont nourris du soja américain et des tourteaux industriels, et l'agriculture, on produit des céréales, on ne sait pas trop pour qui ni pourquoi. C'est un pourcentage relativement important quand même de la production. Ce type, disons, d'agriculture-là, il est consommateur d'une énergie importante, tant au niveau du chimique, hein, parce que pour produire des azotes chimiques, pour produire, disons, des pesticides, etc., on utilise énormément, notamment de carburant, de réserves fossiles, d'une part, et d'autre part, aussi pour travailler le sol, on utilise des tracteurs, des machines énormes qui sont aussi grosses consommatrices, disons, de cette même énergie chimique. Et d'autre part, au niveau de la main-d'œuvre disparaît. Hein. Aujourd'hui, on a certaines fermes qui cultivent des centaines d'hectares sur différents villages. Avec le matériel qu'ils ont, ils savent se déplacer facilement et ils vont cultiver, ils partent de la ferme le matin, ils vont en 50 km, ils vont travailler 50 hectares, et puis ils reviennent le soir et on a labouré, planté les 50 hectares avec une personne, avec du matériel sophistiqué, mais qui est gros consommatrice d'énergie. L'agriculture paysanne que nous développons, c'est une agriculture qui va utiliser beaucoup, beaucoup moins d'énergie parce que on travaille avec de l'engrais organique. Hein. On a des animaux et ce sont les animaux, avec leur production de fumier, de compost, qui nourrissent le sol, donc pas besoin d'engrais chimiques. Les techniques qu'on utilise de plus en plus à ce niveau-là, et c'est ça qu'on voulait notamment faire un essai de plantation de quinoa ici, on travaille dans nos fermes avec de plus en plus de mélanges de plantes. Benoît, chez nous à la ferme, donc il a une autonomie fourragère 100% pour nourrir une troupe de 100 brebis. Ce sont des mélanges de céréales, pois, riches en protéines, triticales, avoine, etc. Donc ce sont des mélanges qui sont complémentaires, qui sont autonomes pour l'alimentation des animaux. Et au niveau de la structure et la vie du sol, le fait d'avoir plusieurs plantes aussi, c'est bénéfique. Contrairement à par exemple, on produit sur les terres aujourd'hui du maïs, le même maïs, unique maïs, pendant 5 ans. C'est, au niveau destruction du sol, c'est abominable. Hein. Donc au niveau de carburant, au niveau utilisation d'azote chimique, etc., on est bénéficié. Mais alors, on développe beaucoup, disons, de ce mélange de céréales, notamment, on est en train de faire des essais maintenant pour développer
la production de quinoa, de sarrasin, de lentilles, etc., qui sont pour l'agriculteur intéressantes parce que ce sont des mélanges riches en protéines qui captent l'azote de l'air et qui sont, au niveau alimentation du consommateur, aussi extrêmement intéressants parce qu'ils sont riches en protéines et peuvent éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, remplacer en partie notamment la viande. Alors, ben, cette façon de faire au niveau de la production, comme au niveau de l'élevage, parce que nos élevages, ce sont des élevages beaucoup plus réduits, avec parcours extérieur, etc., ben, toute cette façon de faire, tant au niveau du sol qu'au niveau de l'élevage, demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc, c'est une source de réincorporation de main-d'œuvre extrêmement importante. Là aussi, au niveau d'une économie nouvelle à redévelopper, c'est capital, quoi, hein. Par rapport à la ferme de 500 hectares ou à une unité de travail, nous, sur 500 hectares, ça fait 50 fermes de 10 hectares et ça fait 10 multipliés par 3 unités, quoi, hein. Chez nous, on a 10 hectares et on a 2-3 personnes qui travaillent. Donc voilà, c'est vraiment une autre optique, mais où on est bénéfique à tous les niveaux. Moi, je me réjouis, je l'ai dit tantôt, très, très, très fort, parce qu'au départ, ben, on a reçu des pressions. Ça fait, ben, au départ, notre lutte avec différents collectifs locaux, etc., c'était d'une part la lutte pour une nouvelle route qui doit traverser nos campagnes à nouveau au profit de Péridesa uniquement. On peut remettre en question le type de développement de ce centre. Donc, mais ça fait nous déjà des années qu'on se bat et parfois on est découragé. Il y avait d'autre part ce zoning ici qui reste vide. On a récupéré des agriculteurs X hectares, 30 hectares ici pour l'extension et puis tout est là, quoi. Donc ça nous fait mal et on se bat aussi, on essaie disons de créer quelque chose pour modifier ça. Et alors, disons qu'ici, on a pris contact avec différentes associations plus larges, hein, le RESAP, Inter-Environnement, etc. Et disons qu'ils nous ont soutenus dans la mise en place de cette journée. Et quand on voit le nombre d'associations qui sont présentes ici, le nombre de jeunes aussi, ça nous réconforte et ça nous réjouit, quoi. Donc, essentiellement pour cette raison-là, pour nous, c'est très positif. Notamment par rapport à l'autonomie fourragère dont on parlait tout tantôt, donc, c'est-à-dire le fait d'être autonome sur la ferme et de produire soi-même ce dont nos animaux ont besoin pour se nourrir, que ce soit les bovins, que ce soit les porcs, que ce soit les volailles. À un certain moment, lorsque nous avons commencé à développer cette idée-là, ça remonte à plusieurs dizaines d'années, où on disait notamment, on avait des rencontres avec les facultés de Jean Blou, hein, qui n'allaient pas du tout dans ce sens-là, en disant, produisez du maïs et achetez du soya, parce que le maïs est largement déficitaire au niveau alimentation des animaux, parce que déficitaire en protéines. Mais produisez du maïs et achetez du soya américain qui est riche en protéines. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le soya était bon marché, et économiquement, à la rigueur, ça se tenait, quoi. Depuis ce moment-là, nous, on se dépassait pour des loufoques. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs, l'agriculture moyenne, même traditionnelle, sont passés à ce type d'agriculture-là parce que le soya est devenu tellement cher qu'aujourd'hui, ils reproduisent leurs protéines eux-mêmes avec du pois, du colza, etc. Donc, cette idée-là d'autonomie fourragère a quand même fait du chemin. On disait tout à l'heure, au départ, nous, lorsqu'on a défendu le circuit court il y a 30 ans, là aussi, les gens n'y croyaient pas tellement. Aujourd'hui, c'est vraiment l'idée fondamentale, le circuit court. Donc, là aussi, on a gagné du chemin. N'empêche qu'à côté de ça, on continue à produire des centaines d'hectares de céréales, de pommes de terre, de chimiquement, avec ce type d'agriculture-là. Alors, c'est au niveau de la ferme moyenne, quand on parle de ferme moyenne, c'est quand même 30, 40, jusqu'à 50 hectares. Les gens qui ont de la terre, mais qui ont aussi des animaux, c'est à ce niveau-là qu'il y a quand même des choses qui évoluent. Par rapport aux gens, soit
à ce type de niveau-là, industriel, on a tout à fait séparé, je disais tout à l'heure, l'élevage et la production sur la terre. Et à ce niveau-là, ces gens-là, ils sont presque ou complètement intégrés dans l'industrie. Et bon, on peut difficilement changer les choses. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce type d'agriculture-là, il va rester, peut-être continuer à se développer. Peut-être quand même, il y a de plus en plus des freins à ça, d'autres choses qui se créent quand même. Mais ça va subsister, évidemment. Hein.